Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà une petite vidéo sympa, je vais vous présenter un petit colis que je viens de recevoir du site Seabassler Shop. Voilà, je suis en partenariat avec Fred pour cette vidéo, Fred du site Seabassler Shop. Voilà, donc Fred il a lancé son site, en fait c'est un site de vente d'articles de pêche en ligne spécialisé pour la pêche du bar au leurre. Donc il vend des cannes, des moulinets et des leurres, et aussi le petit matériel qui va avec, comme des sacoches, des épuisettes, des pinces, un peu tout ce qui va avec, aussi des tresses et des fluorocarbones. Donc voilà, il vend un peu tout ça sur son site. Et voilà, donc il m'a contacté et j'ai trouvé le principe du site super sympa. Donc voilà, on s'est arrangé. Et donc voilà, il m'a envoyé un petit colis. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Il y a quelques leurres et je vais essayer de pêcher avec. Après, je vais essayer de prendre quelques poissons. Alors on commence avec déjà des super spindles. Donc voilà, on peut retrouver sur son site vraiment toutes les grandes références, que ce soit même les Black Minnow, les One Up Shad, les super spindles, X-Layer, Mega Bass, enfin pas mal de références. Donc voilà, donc là c'est des super spindles 5 pouces. Donc oui, c'est le coloris Blue Jill, voilà. Et là les 5 pouces en coloris Wakazagi, voilà. Deux coloris qui peuvent très bien se compléter, tant couvert, tant ensoleillé. Ensuite on a également des One Up Slug, coloris French Waka, voilà, pareil, très bon leurre. Quand les poissons sont difficiles et ça marche pas sur des shads, on peut mettre du slug. On va essayer tout ça après de toute manière. Pour rester sur les leurres souples, on a un petit Dark Slipper, voilà, coloris Dark Shad, voilà, avec celui-là je crois qu'il est plombé en 10 grammes, si je me trompe pas. On a des petites têtes plombées, alors là, donc là c'est les Musaga, donc là c'est des 7 grammes, hameçon 4-0, et là c'est des 10 grammes, hameçon 4-0 également. Donc là c'est des très bonnes têtes plombées, donc des têtes plombées à Darté, donc qu'on peut mettre un peu sur tous les types de leurres. Donc là je pourrais les mettre sur les Super Spindle, l'hameçon est assez long. Je pourrais également les mettre sur les One Up Slug. Donc c'est vraiment des têtes plombées qui passent partout. On a également les fameuses VJ36 de chez Decoy, des hameçons texans pour passer dans les algues et pour pas accrocher, c'est bien pratique. Très très bonne tête plombée avec les Super Spindle, ça fait des ravages en ce moment. On a également des têtes que j'avais pas encore essayées. Voilà, je vais essayer de vous en sortir une, c'est les têtes plombées Rolling, très connues dans la pêche actuelle. Voilà, les têtes plombées Rolling de chez Xorus, très belle tête plombée et qui donne, comme son nom l'indique, un très gros rolling goaler. Voilà, je vais essayer tout ça. Je vais aller pêcher avec tout ça. Mais déjà, avant, je vais vous parler rapidement. Je vais vous parler rapidement donc du site Seabassler Shop. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment spécialisé dans la pêche du bar au leurre. Vous allez retrouver tout le matériel nécessaire pour la pêche du bar au leurre. Mais également, ce que je trouve intéressant sur son site, c'est qu'il met en avant des leurres qui sont pas forcément connus. Et donc c'est sur ça que je vais travailler avec lui au futur. Il m'enverra des leurres à tester et je vous le testerai en vidéo et je vous dirai si tout simplement j'ai du résultat ou non. Et je serai totalement transparent avec vous. Si un leurre marche, je vous dirai qu'il marche, et s'il marche pas, je vous dirai qu'il marche pas, tout simplement. Voilà, c'est tout. Maintenant on va aller pêcher, on va essayer d'aller faire quelques poissons avec ce qu'il y a dans ce colis. Et puis bah voilà, je vous retrouve au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, réglage du frein. Tac. Alors voyons voir comment ça rend dans l'eau. Bah écoute, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Coloris sombre quand il y a des nuages et puis voilà. On va bien voir ce que ça donne de toute façon. Ah mais frérot, par contre, oh, oui, j'ai... Oh, ça c'est bon ça. Poisson pour Léo.
Ça paraît dégueu en plus. Beau poisson pour Léo, ça a l'air sympathique. Je crois pas. Si. Ça, quand ça monte pas, on sait que c'est sympa. Oui, crois-moi, c'est un joli poisson. Ah non. Ah si. Enfin, c'est correct. Ah, superbe. Superbe. Oh, il est passé en dessous. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Tu m'amènes ? Voilà. Oh, bien joué, mec. Non, tu l'as eu par la bouche. Non, mais il t'aspire juste au bord. Oh, bien joué, ça. Super. Combo. Super spindle. Wakazaki. Tête plombée rolling. Voilà. Qui était encore sous blister il y a 10 minutes. Maintenant, ça y est. C'est validé. Ouais, c'est moi qui remets le halo, le poisson de Léo. Ça fait une bonne chance. Ouais, voilà. Le leurre est validé. Super. Passer en dessous des algues. Je vais tenter de mettre un slug, on verra bien. Petit one-up slug là, à gratter, ça peut être pas mal. Changement tactique, on va voir ce que ça donne. Ah, la tête va parfaitement. C'est magnifique. Oh, il est magnifique le one-up slug. Allez, on va tester ça. One-up slug, c'est une valeur sûre. Wakazaki, c'est une valeur sûre. En ce coloris-là, coloris Wakazaki dans une eau comme ça, c'est une valeur sûre. Donc normalement, ça devrait être une valeur sûre. Théoriquement. Bien joué. Poisson pour Léo, encore une fois. Super spindle. Super spindle Waka. Ça a l'air d'être... correct. Il doit dépasser la barre des 40. Encore un petit linéaire à la bordure. Ouais. Hey, le fameux. Ça marche bien, ça. Attends, je ramène mon leurre et j'arrive. Tac. Alors, voyons voir, poisson. Ouais. Ça a l'air sympa, non? Ouais, ouais. Oh, très joli. Il est tout doré. Je peux pas avancer, il y a un trou derrière. Je le ramène. Tranquille, prends ton temps. Bien joué. Oh mec, j'ai jamais vu un bar aussi doré de ma vie. Frérot, regarde. Regarde comment il est doré. T'as vu? Donc c'est de l'or en fait. C'est trop beau. Tiens, vas-y, on prend une petite photo pour lui, il est vraiment magnifique. Tu peux le lâcher, il va repartir. Oh là 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 là, c'est beau ça! Bien joué! Tu m'as même pas laissé le temps de gratter avec mon one-up slug là, je suis sûr que je peux faire un poisson avec. Poisson! Oh, décroché, merde! Non, c'était pas très joué, c'est pas très gros. Bon bah les gars, vous êtes témoins. Décroché One Up Slug à l'instant. Poisson, ah bah voilà. Oh, c'est un pinsouille. Il est juste ultra vénère. Ouais. Pinsouille, ça se trouve c'est même lui que j'ai décroché juste avant. Non, ça va. Bon, voilà les gars, un bar pris One Up Shad avec la TP Osaga, je crois, Musaga, je sais plus. Vraiment piqué dans le palais. Tac, c'est décroché. Non. C'est décroché, voilà. Voilà, un joli bar tout doré, posté sur les moules. Là, on est juste à côté, il y a un plateau de moules. Allez, ça va repartir grandir. Tac. Il est là. Super. Parfait. Merci. Bon, c'est cool ça. Bien joué. Super.
Troisième poisson pour Léo, il enchaîne. Je sais même pas c'est combien. Déjà si tu bats Anthony, ça sera déjà pas mal. Non mais t'as vu la pêche du truc et... Bon bah voilà. Encore un leurre validé. Voilà, enfin. Un petit barçonné comme on dit. Qui a pris sur le super spindle. Tac. Super spindle 5 pouces, Colori Wakazaki, tête plombée. VJ36, décoil en 7 grammes. Et voilà, c'est le carton. Quoi ? Après, là, au niveau des algues, ça veut dire que ça va se. Il y a un peu moins de profondeur là-bas. Poisson. Petite pêche à gratter. Ouh. Petite pêche à gratter. Ouais. Et puis il m'a pris vraiment pas loin. Limite à la verticale. Tac. Allez. Tchouk. Vraiment? Gros. Gros poisson pour Léo. Gros poisson pour Léo. Non, j'arrive. J'arrive. Gros poisson. Gros poisson pour Léo. Oh, c'est un mulet carponné. Non, je sais pas. Non, c'est un bar. Oh oui, joli bar. Oh,
Oh oui. C'est sympa ça. Je me dis, oh je vais lancer là, ça me plaît. Oh là, notre gros poisson, bien joué. Allô. L'eau, il va nous remettre à l'eau son joli poisson de 53 cm, tout noir, vraiment, noir et doré. Il est bien positionné sur le fond. Tiens, je prends l'épuisette, c'est bon, tu l'as ? Ouais. Superbe. Vas-y, montre un peu la cam. Superbe, superbe poisson. Allez. Ouais. Prêt. Bon bah voilà, yes. on est venu là pour un 50 plus. Et voilà. Ah bien joué. Tu mords. Oh gros poisson. Ah superbe. Eh mec, le leurre validé hein. Incroyable super spindle hein. Incroyable. Bon bah voilà les gars, fin de session. Alors désolé d'avance pour ceux qui vont trouver la vidéo un peu sombre. Il est 22h là, on est mi-août. Donc du coup bah il fait nuit malheureusement. Bon bah voilà, on aura fait une bonne petite session, on aura pêché entièrement du coup avec les leurres qu'on a eu dans la commande, donc ça fait plaisir. Léo il termine sur une très belle action, il fait 1,53 cm avec le super spindle coloris Wakazaki. Le même que depuis le début. C'est ça, le même que depuis le début. Au début de la session je lui ai dit vas-y si tu veux mets un super spindle avec une petite tête plombée rolling de chez Xorus, et bah il a fait toute sa session avec, il m'a mis une mine, il a fait au moins 7 poissons je pense. Bon, le premier c'était un joli poisson, peut-être 2 poissons maillés ou tout juste maillés. Enfin ça fait plaisir. Et de mon côté je fais un poisson one up slug. Je fais également des 2-3 poissons je crois ou 2 poissons au super spindle et une anguille au dark slipper, ça fait plaisir. Miam miam. Enfin voilà, donc en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description, il y a tous les liens disponibles sur le site Sea Bass Lure Shop. Voilà, il y a l'Instagram, il y a aussi le profil Facebook de Fred, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et sa chaîne YouTube également parce qu'il poste pas mal de vidéos de présentation des leurres et tout, qu'on connaît pas forcément, du coup ça peut être sympa de découvrir des petits leurres qui sont vraiment qui valent le coup parfois. Enfin, voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et à commenter si vous avez des commentaires à faire. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.